si tu veux, c'était déjà, il parlait des célèbres. Ouais. Il parlait de Mick Jagger, de plein de monde. Ça, c'était les Sud-Africaines, là. Il y avait un qui s'appelait la princesse, que je l'ai vu en Italie des années après. Voilà, Mick Jagger quand il était jeune. Hein. Mais je connaissais tout le monde. Et c'est lui qui a commencé, Cyril Davis. C'est lui. Et son batteur, il s'appelait Carlo Little. Et il vivait trois pas de ma maison. Et on était amis. Ouais. Et pas très très amis, parce que lui, il jouait déjà, il avait 3-4 ans plus que moi, je crois. Et lui, il était le batteur pour Cyril Davis. Et c'est les Stones qui n'avaient pas de batteur, parce que Charlie Watts n'était pas avec eux. Oui. C'était pas les Stones encore. C'était Mick Jagger avec Brian Jones, mais ils prenaient Carlo Little comme batteur.